Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dead Rising 4. Nous en sommes à l'affaire numéro 3, paye ta science. Et ouais mon pote, paye ta science. N'ai plus d'excuses. Oui, parce que, excusez-moi, je parle plusieurs langues mondialement connues, évidemment, donc parfois je les mélange. Je n'ai plus d'excuses. J'ai branché ma Xbox One avec un relais sur la télé. Alors, donc là, je joue instantanément, les mecs. C'est instant. Là, si je fais ça, boum. Tu sens, t'as senti que le coup de main... Tu vois, c'est différent. Ça a changé par rapport au premier épisode. Bref, on est parti. Alors, j'ai un problème avec la manette de Xbox qui est... insupportablement buggé. Hein. Maintenant, j'ai toujours un problème. C'est terrible, j'ai toujours un problème. Rien ne va jamais comme je le veux. Donc là, c'est instant, tout est instant, c'est magnifique. C'est magnifique, regardez. Regardez, je suis en train de kiffer. Pendant qu'il y a le monstre qui s'acharne et cache la moitié de la ville, moi je suis en train de kiffer, tu vois. Bref, en parlant de monstres, merci à tous d'avoir mis des likes, il n'y a aucun rapport, hein. ne cherche pas de rapport. Merci à tous de mettre autant de likes par épisode, c'est incroyable. Peut-être qu'un jour on va taper le top 100 des top tendances, ça pourrait être cool. Ou peut-être même qu'on va taper le top tendance des top tendances, qui lui-même est relié à un top tendance. Et comme on dit, Inch'Allah, tout est possible. Ah, c'est une belle rue, sacrée rue ici. Hein. Sacrée rue avec des sacrées gueules. Ok, on va se mettre là-dessus. On va taper un petit selfie en honneur au début de cette vidéo. Voilà, parce que ça fait plaisir. Trop loin, évidemment. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un putain de Snoop Dogg. Ah, il est là, Snoop Dogg. Hop, attendez, les gars. Et hop, on envoie des météorites à gauche, à droite. Bon, tergiverse pas, les gars. Allez, ça dégage. Ok, c'est bon. On a le Snoop Dogg avec un zombie en bonus à côté. Ah, très bien. Avec un zombie en bonus à côté qui rapporte 500. C'est cool. Effet photo noir et blanc. Ah, bah putain, on gagne des effets photo en prenant des Snoop Dogg. C'est incroyable. Eh, les gars. Hop, merci. Éparpillé partout. Moi, c'est l'œuvre de Calder. J'espère bien. Calder. Donc, en fait, si j'ai bien compris, je suis le seul à vouloir vraiment voir ce monstre. Mais je ne veux pas, hein, bien évidemment. Mon personnage parle à ma place, c'est terrible. Je n'ai pas envie de voir Calder. Alors Calder, frère, il a un nom de caissier à Lidl, cousin. Tu vois ce que je veux dire? Alors j'ai rien contre les gars qui sont caissiers à Lidl. Je vous apprécie. Parce que sans vous, bah, y a pas de caisse. C'est chiant, tu vois ce que je veux dire, si tu veux acheter des trucs. Mais c'est vrai que bon, quand tu vas à Lidl, tu t'attends pas à voir des gens Eudes qui vient du 7-5, qui a fait des études aux Beaux-Arts. Non, tu t'attends à voir des Calder, hein, frère. Hein, c'est pas... voilà. On apprécie. En plus, c'est une petite sonorité orientale. Moi, j'aime beaucoup. Et vous savez quoi? Si j'ai un fils, je l'appelle Calder, d'accord? Et si j'ai une fille, je l'appelle Calder aussi. Comme ça, au moins, pas de jaloux, mec. Pourquoi? Allez, hop, ça dégage. Pourquoi les fils sont séparés, les mecs? Y'a quoi, là? Ils ont brouillé. On dirait qu'il y a eu un bout de viande, cousin, et les mecs, ils sont tous embrouillés. Le boulet, finalement, personne l'a pris. Ah, on a une mitrailleuse, c'est pas mal ça. Tiens, en plus j'ai gagné un emplacement supplémentaire, je prends. On a un lance-roquette, on a mon crack. Je vais le garder parce que si Calder est dans les parages, il peut nous faire chier très longtemps. Ah d'accord, super, toi t'as des bras, ma soeur, télescopique. Ça ne rigole pas. Calder, où t'es? Calder aime les trains, hein. Il travaille peut-être à la SNCF. Peut-être vendeur vérificateur de tickets, parce qu'il n'est pas français. Un homme qui vérifie les tickets, quoi. Oh, j'en ai chopé des amandes, les gars, putain, c'est terrible. Allez, ça dégage. Calder? Oh, Calder, tu vas loin, là, quand même. Hein. Ah, très bien. C'était entièrement gratuit pour lui. Ok, les gars, laissez-moi la place, s'il vous plaît. Aucun putain de problème. Calder, où t'es? Ok. Qu'est-ce que c'est? On a une hachette. C'est incroyable. On peut fouiller un sac. Je fouille le sac. Il y a un zombie. Attends. C'est de la peine. Oh la vache, je suis une météorite au bordel. Ok. Ah! 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 Ah, mais ils arrivent à trouver le moyen de monter, c'est incroyable! Vous êtes plus intelligents que les autres. Les autres d'en bas, comme on les appelle. Aïe! Je prends tout sauf ce que je veux, putain! C'est pas vrai! Eh, hey, ça va. Je peux prendre cette putain de boisson énergétique? Putain, c'est terrible! Ok, on l'a pris. Bon, on peut se casser. Calder, où t'es? Calder, toujours pas présent. Hop, il y avait des vendeurs de boissons par ici. Ça a mal tourné. Ça a mal tourné, les gars. C'était une kermesse et c'est parti en coup super vite. Même eux, ils ont pas prévu le bordel. Hop, ouais, ouais, je fais. Allez, les gars. Allez, hop, ça dégage. Merci, les potes. Voilà, parce que j'ai pas envie non plus de trop utiliser mon marteau, qui a l'air vraiment sympa. Puis Calder, je sais que c'est un gourmand. Il adore tout ce qui est explosif. La piste mène au vieux tunnel des égouts. Brad, vous m'entendez? Hein?
Merde. Ah. T'en fais pas, Franck. Ça dégage. Il n'arrive jamais rien de mal dans les égouts. Ok, c'est les égouts. Et vous savez que Calder aime les égouts, hein. C'est un égouttier à la place. Et c'est un écouteur aussi quand il y a trop d'eau. Si vous avez compris la blague, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en disant « Putain, j'ai compris, qu'est-ce qu'on a rigolé ?» Qu'est-ce qu'on... Eh, j'ai vu cette vidéo avec ma famille, oh, on était morts de rire. Bon, on continue les gars. Donc, on va dans les égouts, l'endroit préféré du frérot Calder. Au moins, putain, je sais que c'est la bonne direction. Sacré gueule en tout cas, le Calder. Hein. Quand il gueule, attention, pardon. Je sais que ça fait mal, les gars. Je sais que c'est pas spécialement agréable. Mais quand il faut, il faut. Alors là, moi, je suis chiant. C'est... Oh, je peux faire monter encore un truc explosif. Ça marche comment? C'est sympa, ça. C'est sympa, ce petit truc. Est-ce qu'on se refait un truc explosif? Vous savez quoi? On va tous les tuer par ici. Et on va se refaire une petite massue. En prenant le temps de se... Oh, la vache. Ravitailler. Allez, ça dégage. Je suis vivant. En prenant le temps de se ravitailler, il kiffe. C'est un kiff d'être vivant. J'espère. Eh, hey, mettez un like si vous êtes vivant. Voilà, ça c'est putaclic, ça c'est sympa. Et vu que vous êtes tous vivants, normalement, s'il y a 70 000 vues, il y a 70 000 likes. Ou alors vous avez regardé la vidéo en deux fois. Voilà, ce qui me fait bégayer, c'est incroyable. Ok, on va ramasser 20$. On va refaire la masse. Comme ça, j'ai une nouvelle masse et de plaisir. On va laisser l'autre par terre. On va se soigner calmement. Toi qui suis presque incapable de me faire un sandwich. Et on ramasse une petite bouteille d'eau. On est reparti avec une hache toute neuve, c'est incroyable. Y a pas d'autre pétard ni rien, non. Vous avez vu, je sais pas si vous voyez, mais mes mouvements sont quand même beaucoup plus fluides, hein. C'est incroyable. C'est incroyable, ça mériterait une vidéo en 4K, cette connerie. Ouais, ça dégage. Ah, c'est des néos, ça c'est chiant. Ça, c'est... Ah, ça c'est chiant. C'est des néos, je crois, ou des zombies. Ils étaient pas tous néos. Ah, c'est néo, des néos de Matrix. Ok les gars, hey, on arrête les conneries. Mais il y a des gens qui tombent d'en haut, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est bien. Fâché eux. Ok, je crois que c'est un mélange de tout, hein. Ça, là, il y a un mélange de couleurs, hein. Littéralement, les gars. Yannick Noah, je t'apprécie, cousin. On respecte Yannick Noah, hein. Hop, ça dégage. Ah d'accord, toi tu es manipulé par un poteau. Bon, les gars, c'est chiant. Vous me laissez déverrouiller mon armoire, non? Hop, ça dégage. Je veux mon armoire! Ah, toi c'est sorti du poteau, c'est dommage qu'elle tourne vite dedans. Allez, ça dégage! Ok! C'est bon? C'est incroyable! Tiens, toi tu es. Ah! Ah, non, c'est dommage. C'est dommage. Hop! Oh la vache, t'es même passé à travers l'armoire tellement c'était dingue. Ok, on déverrouille! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Waouh! Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air raisonnable. J'ai plus mon. Oh là, j'ai plus ma tête. J'ai plus ma putain de tête. Ok, je prends ça. Ouais. J'ai pas compris. Elle est modifiée, ma foi, mais j'ai pas compris en quoi. Pas ouf. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est incroyable, un journal. Deuxième journal, je ramasse. Ok, tuyau de plomb. Pas intéressant. Bon, on a ramassé un journaux ancien sur 4. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, quand tu mets pas de... Quand tu... Oh, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'avais plus envie de m'expliquer. Il y a un moment, ça va, on n'est pas là pour justifier, les gars. Je voulais sortir une petite vanne. Puis bon, je me suis dit que finalement, je me la suis refaite dans la tête. C'était pas super bien, tu vois. Elle était pas appropriée en soi. Donc bon, on continue. Ok, fusil d'assaut. Il y a beaucoup de fusils d'assaut. Fusil d'assaut, pardon. C'est incroyable. Ça sent le boss. Donc je vais prendre le crack. Oh là, tu sens le truc qui va arriver d'ici. Attends, il y a un petit lance-fusée. Ok, il y a des pétards. Ok, je peux faire quoi? T'entends respirer là? Je suis pas bien. Je suis pas bien, mon pote. Ok, yo. Mais je sens que t'as les glandes. Oh merde. Salut. Je faisais que... Ok.
Wouah, c'est un fufu en puissance. Tanti, le super zombie bizarre. Allez, dégage. Doudou, le super zombie bizarre. Allez, oh là là, la belle bleue pour lui. Je l'ai éclaté. Ah, ça, c'est chiant. Oh, j'y crois pas. C'est une blague. Ce truc est merdique. Ah, ça, c'est chiant. Ah, j'ai peur. Hop, et je me la joue Doc Nukem, mon pote. Ah, on s'en va les couilles. Oh, quoi? C'est pas juste, ça. Oh, génial, ils sont en colère, maintenant. Quoi? What? Attends, je suis pas prêt. Mets-moi pas... Oh, il met des claques, frère. Qu'est-ce qui se passe? Faut mourir, monsieur. Allez, c'est bon, il est mort. Ça dégage. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Ah, c'est incroyable. Allez, ça dégage. Je les ai arrachés. Je crois que je suis sauvé. Oh, Seigneur. Je crois que je suis sauvé. Oh. Je m'appelle Diane Blackburn. Je suis la directrice de recherche Obscuris. Il faut que vous veniez à Westridge. J'ai besoin de vous parler. Est-ce que cette discussion sera rendue publique, Dr. Blackburn? Dites à la ZDC que je veux être évacuée par hélicoptère dans les prochaines 48 heures. En échange de quoi? J'ai des informations. Je vais voir ce que je peux faire. En attendant, que diriez-vous de m'offrir une petite mise en bouche? Ce n'est pas moi qui ai déclenché l'épidémie, Monsieur West. Nous sommes arrivés ici longtemps avant. Des années avant. Vous rappelez-vous un scientifique du nom de... Docteur? Docteur Blackburn? C'est pas très rassurant, ça. 2500 pp, mission complete. Bon, par contre, c'était pas Cadell. Non? Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié comment il s'appelait. C'est terrible. Tous les sous-sols, des abris d'urgence sont reliés à la galerie marchande par des accès d'urgence. C'est incroyable, ça. On va rencontrer donc Dr. Blackburn, n'est-ce pas? Et on va voir un petit peu ce qu'il peut nous dire. Donc, allez à la galerie marchande. C'est des raccourcis, d'accord. Bah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller dans les égouts, les gars. Petite cinématique, ça, non? Soit un chargement, soit une petite cinématique. Franck, je viens d'apprendre que des gens sont retenus prisonniers dans le bateau pirate de Caribbean Cove. Tu ferais mieux d'y aller avant qu'ils pètent un plomb. Ça devrait être intéressant. Un petit bidon de distance. Je dis pas non. Battez les maniaques. Ok. Ils sont où? Ils sont à 90 mètres. Il y en a d'autres pas loin? Je crois qu'il y en a d'autres. On va essayer de les arracher. On va arracher les maniaques, les gars. J'ai envie. Voilà, c'est une vidéo qui est sous le signe de la... Battez les maniaques encore. Allez, là, c'est pas ce connerie, là. Foutez de ma gueule, les mecs. Ok, on va se casser d'ici. Oh, putain, tu sens quand même que je suis beaucoup plus flex. Ah, je suis flex, hein. Moi, je sens une flexité, moi, une flexitude. Je peux rentrer là. Oh, ouais, un petit SUV. Allez, hop. Eh, c'est Bibi qui régale. Ok, on va essayer d'arracher un ou deux maniaques, là, les gars. On va voir qui c'est. J'espère de nouveau Père Noël, ça serait sympa. En ces fêtes de Noël. Oui, j'ai envie de tuer des Pères Noël, voilà. Oh, combat proche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais que se passe-t-il? Ah! Quoi? Oh, je prends ma mère. Ok. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Voilà! Ah! Arrête-moi! Aïe! Ah! Ok, c'est bon, c'est fait. Il y a un maniaque par ici. Mais alors, comment on rentre là-dedans? Comme ça, non? Ouais. J'arrive, cousin! Ah! Mais on est déjà passé par ici! C'est l'homme qui ne voulait pas. Oh, ça les encule! Oh la vache! Personne n'est prêt! Ma puissance vous surpassera tous, bande de salopes! Ok! On récupère la récompense maintenant, parce que ça fait plaisir. Ok. Hop, petit kit de soins. Yo, frérot. C'est bon, cette fois-ci, ça ne bug pas. Yes! Le survivant a été sauvé. Dans l'abri, si jamais vous avez besoin de moi. Nouveau niveau atteint 30, déjà! C'est incroyable, ça va vite. Grenade incendiaire, je prends. Et je prends tout, rien à la foutre. Ok, c'est quoi ma récompense, là? C'est 600$, c'est chaud, c'est pas beaucoup. Hein. Un peu des rats. Bon. On a deux maniaques, je ne sais pas lequel est le plus proche. On va donc regarder tout de suite la map qui ne nous dit évidemment rien. Hein, c'est incroyable. Alors, on va faire... Et vous savez quoi? Oh bah lui, il est tombé tout seul.
Il a glissé. Il a glissé sur le verglas, il était pas prêt. On va prendre notre truc, on va faire le maniaque qui est là-haut, là, derrière. Moi, ça m'inspire, moi. Hop, salut les gars, hop. Ah, j'ai beau avoir changé, toujours indirigeable. Ok. Ouais, ça me tire dessus, c'est sympa, ça. Vous êtes super sympa dans cette ville. Hop. D'accord. Oh, merde. Hyper relou à conduire, ça. Pourquoi cette connerie? Ok, je maîtrise rien. Je maîtrise rien du tout. Ah, c'est hyper relou à conduire, hein. Ce petit 4x4, là, je sais pas trop ce que c'est. Ok, maniaque à droite. Enquêter sur les rumeurs. Bah ouais, mais bon, là, je ne comprends pas. Hop, on va arracher tout ça. Je comprends pas comment on joint. Y'a rien d'écrit. Moi, j'ai une carte, cousin, pas comme les autres. J'ai une carte, mais elle ne dit rien. Voilà, c'est un bout de papier vierge. C'est une feuille à 4, ma carte. Attends, là, c'est chiant, les gars. Où est... Ah, bah d'accord, mais l'objectif est super loin. Ah oui, d'accord. Oh, damn. Oh, damn. D'accord, non, j'ai rien dit. Autant pour moi, j'ai été super désagréable. Oh, mon chemin. Okay. Ah. Et voilà, je voulais faire ça, hein. C'était prévu, vous inquiétez pas. J'avais envie de rebondir comme ça sur le véhicule, je trouvais ça plutôt cool. Ok, combat, oh, événement proche. Je ne sais point ce que c'est. Yo. Allez, ça dégage. T'es là, tu me racontes ta vie. Oh, pardon. Oh, pardon. Alors, on en était à où? Allez, ça dégage. Ok, équipement détruit. Ça, c'est beau, ça. Ah, très bien. Il y a un mec qui veut m'enculer derrière. Un plaisir. Hop, ça dégage. C'est des néo-zombies, là. Wow. C'est moi ou il est carrément passé à travers le truc? Ah, il a été téléporté. J'ai emmené dans une nouvelle dimension, mec. Ok. Eh ben, voilà. On reprend. On reprend. Lance-roquette. Oh, pistolet de calibre 50. Un petit magnum. Eh, ça régale. Ok. On se régale. Ouais, parce que moi, je mange la trousse, hein. Je mange le tissu qui va avec. Hein. J'en ai rien à foutre, les gars. Ça, c'est fait. On peut pas prendre cette voiture. Je m'étais garé où, moi, avec ces conneries? Ah, bah oui. Ça a explosé. Ça, c'est chiant. Ça a explosé. C'est quoi cette petite musique, là, qui me caresse le tympan, là? Y a un mec qui joue de la gratte? Fufu? Fufu, t'es où? Y'a un mec qui jouait de la gratte, ok, il avait aucune putain de pression. Ok, point de sauvegarde atteint, nous avons 3 points à nous mettre. Arrive à 4, c'est cool. C'est comme un puissance 4, les gars. Moi, si c'est, ça marche toujours par 4, moi. Si on n'a pas 4, ça sert à rien, je perds mon temps, d'accord. Donc on ouvrira l'arbre dès qu'on sera à 4. Oh, qu'est-ce que c'est là-haut? Je vois quelque chose qui me turlupine. Non, rien d'intéressant. Wow. Qu'est-ce que vous avez, les gars, d'un coup, là? Hop, dégagez. On peut peut-être prendre le camion de pompier, là. Dommage. Il n'y a pas beaucoup de véhicules, hein. Un peu crevard, les mecs. Ok, il y a zéro véhicule. Je peux prendre aucun... Ah, si, peut-être lui. Non. Non, il est bisextile. Ah, je peux faire quelque chose avec ça. Ah, je peux ouvrir le camion. Ah, par contre, on peut ouvrir tous les coffres. J'essuie des tirs. Qu'est-ce qui se passe? Hop, et les gars. Allez. Il y a des mecs au barrage, on va les arracher. It's police! Hop, ça dégage. Faudra faire gaffe la prochaine fois. Ok, ça dégage aussi. Bon, les gars, je suis de passage, j'ai rien. Je vois que ça me tire dessus, super agréable en tout cas. Ah, il y avait une voiture intéressante avec une mitrailleuse au-dessus. Ok, il y a un plan. Saloperie de confiance et de merde. Il y a un plan et pas que. Faut que je rencontre le docteur Mécouille là, mais il y a un plan. Bon, les gars. Oh ouais, moi je peux faire quelque chose. Ok, une moto tondeuse. Je la fabrique, c'est pas dit que je monte dedans. Hop, voilà, c'est fait. J'avais envie de faire un kiff, j'ai fabriqué une moto tondeuse, c'est gratuit. Si jamais vous jouez, vous le prenez. Ah, je pense qu'on peut rentrer dedans, d'accord, c'est cela. Hop, pardon. Oh là, c'est obscur. Quoi? Ça fait peur, ça casse les vitres et tout, ces conneries. Ok, mitrailleuse à glace. Il faut une machine à graniter, n'est-ce pas? Donc, on trouve ça où? Ah, dans les cuisines, machine à graniter. C'est ça. Ok. Avec quoi? Attendez, bougez pas. Je peux pas encore... C'est intéressant.
je ne peux pas encore... Tiens, je préfère l'explosif plutôt classique, tu vois, sur le coup. D'accord. Une machine à granité avec quoi? Attendez, bougez pas, on va regarder. Ouais, j'ouvre le frigo, il y a 1 500 $, tout va bien. Le mec, il a un salaire dans son frigo, incompréhensible. Machine à granité. C'était là. Machine à granité et quoi? Et déroulement. Déroulement. Roulement de tambour, mon pote. Et ça, peut-être, non? Mitrailleuse à glace. Ok, on l'a. On l'a, ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est très, très beau, ça. Oh! Ça peut faire plaisir, ça. Ok! Ça, c'est fait. Vous croyez qu'il y a des gens dedans à sauver, peut-être? C'est stylé, on peut fouiller toute la baraque. Yo, les mecs. Yo les mecs, c'est stylé ça. Ventilateur industriel. Ah non, faut lâcher ça. Un chibre. Ah non, putain. Ah, je suis désolé, j'ai confondu un cintre et un chibre. Mais que m'arrive-t-il? Il y a comme une part de possession en moi. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? J'ai réussi à lire chibre à la place. Sérieusement? Je suis désolé, les gars. Désolé. À la place d'un cintre. Que comment... Je ne sais pas. Je ne peux l'expliquer. Vous savez, il se passe des trucs dans la vie comme ça. Hop. Eh, je le reprends. Tu sais quoi? Ça m'a saoulé. Ah. Par contre, ça, c'est chiant. Ah oui, c'est le ventilo que j'avais en trop. Ah. Ah non. Ah, le mec, putain, mais sérieux. Le mec, il prend toute la baraque. Ok. Donc, j'ai lu chibre à la place de cintre. Ça, c'était drôle. C'était très drôle. Voilà, je me fais rire parfois. Écoutez, j'excelle dans le domaine. Donc, on va récupérer notre... notre quoi? C'est quoi, ça? Notre bicyclette tondeuse, n'est-ce pas? Ah, faut avancer. Oh, efficace. Efficace. Et sûrement pas cher. Et c'est la map que je préfère. Voilà. Pardon. Ah, hop, c'est pas évident, hein. Ah, putain. Là, les gars, c'est pas une excuse de latence. Ah oui, il fallait que je passe par le mauvais chemin. Hop, on fait demi-tour. C'est un plaisir pour l'instant. Hop, ça dégage, ça. Oh les gars, c'est par ici. Ah, ça c'est un poteau. Ah, c'est horrible là, à gérer. Ok, c'est par... C'est par où? Oh, mais c'est pas là du tout. On se casse les gars. Le plan a échoué. Ah, il y a un plan là-haut. Eh, vous savez quoi, on prend? On est friand de plan, nous. Nous, vous savez que les gars, là, maintenant, on est friand de plan. On se régale, hein. On se délecte les babines. Hop, pardon. Yo, c'est chez qui ça? Oh! Ah la vache, il y avait une soirée! Aïe! Ah, lâchez-moi, monsieur! Allez, ça dégage. Oh la vache, pardon! Pardon. Et pardon. Ok, qu'est-ce que c'est? Machine à tube! Oh oui! Oh, ça, c'est excellent. Oh, ça fait plaisir. Ok, il faut des shurikens. Je crois qu'il faut ça. Donc ça. Avec un tourne-disque, peut-être. Alors, attendez. J'ai déjà oublié. C'est terrible. Machine à tube. C'est dans les armes de jet. Ok. Non, ça, c'est le casque mitrailleuse. Tourne-disque. Ok, il me faut tourne-disque. Et ça, non? Non, tourne-disque. Il y a des gens qui... Ça s'intimide. Qu'est-ce qui se passe? Problème de lumière. J'arrive pas à trouver, alors attendez, j'essaye de... Ah, c'est là, c'est bon, j'ai... Hop, non. Yes! Ok, machine à tube, c'est fait! On va essayer un petit peu tout ça. Alors, attendez. Hop, nickel. Attends, frère. Hop, c'est gênant, là. Voilà, c'était gênant. C'est bon, on peut ressortir! Nouveau plan! Putain, c'est cool, on a plein de plans, c'est so fresh! J'ai 4... Aïe, pardon. Non, vous voulez pas? Tête de ma mère? Et... Les gars! C'est chiant, ok? Respectez-moi, putain. Un minimum. Hop, voilà. Je vais faire une roulade. Pour montrer aux zombies que ça, ils savaient pas faire. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on se casse, hein, les gars. Direction l'objectif. Ah, c'est terrible, hein. On a perdu du temps, mais ça valait le coup, je trouve, les gars. Deux plans, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Ok. C'est par ici, la sortie. Yo, les gars. Ah, c'est chiant. Quand on peut plus courir, c'est un peu chiant. Ouais, j'ai laissé ma tondeuse. J'ai laissé ma tondeuse à l'arrière. Ok, rien d'intéressant par ici. Oh, il y a une belle Cadillac là. Quel est ce bruit? Il y a des gens qui tirent, c'est pas gentil. Ok,
Les gars, comment ça marche ça? Ouais. Ah, ça va pas jusqu'au bout. Ah, sympa. Sympa, j'apprécie. Merci, merci d'avoir testé, d'avoir participé à la bêta test de ma nouvelle arme. Quartier fermé. Oh. Tu pourrais organiser l'évacuation secrète d'une scientifique d'Obscurus? Avec plaisir. En attendant, j'ai mis la main sur un autre rapport de Vic. Écoutez ça. L'embuscade s'est terminée par des coups de feu, paraît-il. Je sais pas du tout si Armand s'en est sortie vivante. La fin justifie les moyens, non? Pourquoi ne pas utiliser ces gens pour obtenir la partie suivante de l'histoire? J'arrête pas de me dire que c'est exactement ce que Frank ferait. Ok. Battez les soldats. Eh, c'est quoi? C'est moi qui arrive. Oh, damn, Danny! Eh, tu sais quoi? Là, c'est moi qui régale. Ok. Oh là. Oh la vache, le Ziggle, il est trop swagué. Ok, bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'il reste du monde là-dedans? Ouais, d'accord. Oh, ça découpe. Hein. Oh, ça découpe. Oh, ça découpe. Ça découpe, putain. Aïe, tu kiffes. Vache, je me fais arracher par contre. On va peut-être pas faire les shows comme ça. Ok. Ah! Dégagez! Ok, lance-fusée. Non, c'était pas ça. Hop, ça c'est chiant par contre. Ah, non. On va y arriver. On va y arriver calmement. Ok, y'a un boss! Jackie! Tu meurs! Il est où? Tiens! Prends des vinyles. Le dernier album de Laurie dans ta gueule. C'est bon, c'est fait. Entrez dans la maison. Il y a un plan en plus, incroyable. Qu'est-ce qu'on a là? Un portable. Allô? Le sédatif a fait effet. J'introduis le parasite zombie par les sinus, puis j'injecte une demi-dose de Zombrex directement dans la glande pinéale. Les échantillons doivent être prélevés pendant que le sujet est conscient et avant la zombification. Vous devez me sortir de là, Elva. Plus voilà. Un geste. Doucement, doucement. Frank? Vic. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ce que je fous là? Eh ben, je conspire sûrement pas avec un groupe paramilitaire. C'est pas mon genre, Vic. C'est pas ce que je fais. Et je torture pas une femme pour un tuyau pendant qu'une bande d'excités de la gâchette garde la porte. C'est pas non plus mon genre. Laissez-moi sortir. La ferme. Ce n'est pas ce que je fais. Alors qu'est-ce que tu fabriques? Parce que j'ai un peu de mal à piger, là! J'essaie de comprendre pour qui tous ces soldats travaillent. D'où vient l'épidémie et quel rôle ces enflures ont joué? T'as vendu Hammond et ses hommes. Ils ont failli y laisser leur peau. T'en as conscience? Le commandant avait ordonné de ne tuer personne. Mais les gars de Tom ont attaqué en premier. Et tu vas gober ça? Mais t'es naïf ou tu le fais exprès? Ouais. Oh, la ferme! Non, 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 je sais ce que tu fais. Tu veux sortir l'affaire du siècle, hein, le super scoop! Alors tout se résume à ça pour vous, en fait. Prendre ce qu'on veut et encaisser le chèque. Fiche le camp, débutante. Un braconnier. Vous serez jamais rien d'autre. Il faut qu'on parte d'ici. Il pourrait revenir. C'était qui, ça? Une amie à vous? Rien qu'une jeune fille perturbée. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Nos recherches à Obscurus sont entièrement basées sur un projet qui a été abandonné il y a 15 ans. 15 ans? Ça remonte à la première épidémie. Oui. Ce projet a été mené dans un laboratoire secret, caché quelque part ici, à Willamette. Et laissez-moi deviner, Obscurus recherche ce laboratoire secret. De manière obsessionnelle. Le travail effectué là-bas pourrait changer la nature même de l'humanité. Waouh! Merde! Tenez, regardez. Prenez une photo si vous voulez. Ok, on va photographier l'image, mais avant, j'ai trouvé un truc intéressant. Et je vois pas trop c'est quoi, donc on va regarder. C'est des gants, ils ont l'air terribles. Cloche de Noël, donc les dégâts au max. Hein. Gants, il faut que je trouve des gants.
Alors on est dans une cuisine. Il y a des gants normalement dans une cuisine. Je vais prendre en photo ton petit boule de DS là, bouge pas, t'inquiète pas. Mais avant ça, il me faut des putains de gants. Peut-être là-dedans, non? Les gars, des gants, sérieux? Hop, non, ça c'est chiant. Les gars, laissez-moi. Je veux juste des gants. Enquête abandonnée. Attends, frère, je reviens sur l'enquête. Ah, c'est bon. Des moufles. Allez, on a nos gants. C'est la balayeuse. Je ne sais pas du tout comment elle va marcher. Merci de MacGyver. Elle a l'air pas dégueulasse en soi. Hop, on va juste ce truc, ce marteau acide moripile. Vraiment, je le trouve dégueulasse. Allez, on va la garder quand même, ça m'a saoulé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on va prendre le cadavre. Ah oui. Toi, t'as passé une sacrée soirée. Toi, ça s'est bien passé, hein. Indice détecté. Attends. Ah d'accord, l'indice était derrière. Ok, il y a un cadavre cousin ouvert en deux, hein. Mais l'indice était derrière. Tiens, je te prends photo parce que t'es dégueulasse. En gros, il a créé le zombisme. Le laboratoire secret et le projet de recherche étaient de son fait. Et ils ont tous deux été abandonnés à sa mort en 2006. Vous savez où le labo se trouve, n'est-ce pas? On a travaillé ensemble pendant des années. Je vous le jure, sur la tête de ma Merco, si vous me dites où le labo se trouve, je vous achète un Écoute le dernier album de Joule, là. Allez, la Golden Apple Winery. La paix. Barnaby l'a bâti pour cacher le labo. Jetez un œil dans les caves. Je vais faire ça. Mais j'ai encore une question, Docteur Blackburn. Ce chat, vous pouvez m'expliquer? Quoi? Oh, il adorait ce foutu chat. Bon, écoutez, tous ces combats ont dû attirer les zombies. Il y a un exosquelette dans l'autre pièce. Mettez-le et repoussez-les pour que je puisse m'échapper. Vite! D'accord. On va prendre l'exosquelette. Oh, ouais. Je vois que tout était prévu, n'est-ce pas? On va prendre l'exosquelette. Oh, ça pourrait m'être utile. On va découper un peu tout ça, là. J'essaie. Améliorer l'exosquelette. Comment faire? Quoi? Ouais. La puissance est entre mes mains. C'est quoi, ces conneries? On m'a pas prévenu? Oh là, calme-toi, cousin. C'est pas le bon jour de ma vie. Ah oui. C'est super sympa. On me prévient jamais de ces choses-là. Ok. Je peux sortir? Ouvrez la porte du garage. Comme ça. Je tue des gens à travers, c'est incroyable. Hop. Ouais, peut-être avec le bouton, ça sera mieux. Oh la vache! Ça envoie des trucs sales! C'est tellement sale! Gardez la barre d'XP, putain! Oh, damn! Oh, mais ça fait des tornades! C'est incroyable! J'envoie des putains de tornades! C'est tellement fou! Ok! Oh là! Mon pote, qu'est-ce qu'il y a? Non mais attendez, là, c'est quoi? On va essayer d'atteindre un petit compteur 2000. Ça fait plaisir. On va essayer d'atteindre le petit compteur 2000. Histoire de voir si ça nous offre un truc sympa. C'est ouf! Et elle a pas l'air de s'épuiser, ma combinaison. Échappez-vous du quartier fermé. Hop, on a 500 pour l'instant. On va essayer de monter à 1000. Je sens un truc à 1000, frère. Je sais pas, je te le dis au hasard, mais je sens... Je sens un putain de truc à 1000. Il va régaler. Forcément, il y a quelque chose. J'y crois. J'y crois, putain. Ok, j'envoie des... Bon, par contre, j'envoie des tornades, je m'arrête. On m'appelle Tornado dans le milieu, gros. J'ai sorti 4 films. Niveau 33, mais c'est incroyable. Ça va vite, tout va vite. Ah bah oui, mais je peux marcher en même temps. Non, mais c'est fou. Allez. Je prends des dégâts. De quoi, je ne sais pas. Ah, sans doute des zombies. Allez, bientôt à 1000. Moi, je crois, j'y crois, putain. Yes, 1000. Alors?
1200, qu'est-ce qui se passe? Peut-être à 2000? C'est foutu de ma gueule? Non, y'a rien. Hein. Oh, c'est dommage. Hein. Une petite part de déception quelque part, c'est vrai. Pâle, me rends à l'entreprise vinicole. Avec un peu de sang, tu trouverais des preuves qu'on cherche. Ok. Ok, c'est fort dommage. Ah putain, c'est fort dommage. Ah, une part de déception. Je vous avoue qu'il y a une part de déception. On va cavaler là-haut. Non, c'est fini mon combat. Ah, c'était terrible. Terrible. Ok, rendez-vous à la vignerie. Ah, c'est dommage. Ah, j'étais persuadé, hein, les gars. Écoutez, c'était un peu une occasion en or, c'est vrai, en soi. Ah, c'est con. Ah, c'est pas grave. Ok, tuer les zombies. Pour sauver. Allez, les gars. Je me lâche, tout va bien. Voilà. Les gars, allez, faut partir maintenant. C'est bon? T'es tranquille? Voilà. Tu t'appelles comment toi, frère? Akshay? Ok. Merci mon pote. Et de rien mon pote. Allez, barre-toi. Tu veux une bien étage, distribue des glaces, c'est 10 dollars. Ah oui, d'accord. J'ai ramassé 20 dollars en plus. Ok, on se casse. On se casse. Oh, il y a un truc à gauche. Oh oui, oh tu le sens. Tu le sens, truc hyper cool. Mais c'est le bunker, c'est un bunker. J'y suis pas déjà allé. Non, c'est un autre bunker. Ok, on y va. Ok. Oh la vache! Non mais un coup de pied comme ça, tu meurs hein. Hop, ça dégage. Ok, ça c'est fait. On va ouvrir. Hop. Allez, c'est fini. Yo? Y'a rien. Tout est vide. Tout n'est que vide. J'y suis déjà allé sûrement. Ok, Attendez. Petit doute comme ça qui m'envahit. D'accord, c'est vide. Ok, why not? C'est chiant. C'est con, c'est un peu dommage. Attendez, faut partir maintenant. Maintenant, faut mourir, c'est chiant. Bon, c'était entièrement vide. On se casse, direction notre objectif. Et on va... Oh, c'est le point de compétence. Vous savez quoi? On va à notre objectif là. Hop, bouge pas. On va se mettre là-dessus. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Notre objectif est où là? Attendez, parce que ça a l'air super moins. Ce spécial massacre de zombies aurait été parfait là. Hey, c'est encore Paula. N'oublie pas d'enquêter sur les pistes que je t'ai envoyées. Il y a du bizarre de haut niveau. Va y faire un tour. Ok les mecs, on va se stop ici. Yo. Voilà. Merde. Obscurissez là. C'était pour le spectacle. On va s'arrêter là, mais avant cela, on va s'appliquer nos 7 points de compétence. Eh, cet épisode était gourmand, hein. Fondant, croquant, il avait tout pour lui, cet épisode. Qu'est-ce qu'on va faire? Augmente les chances de coups critiques, c'est pas mal, ça. On avait dit que c'était pas mal. Augmente l'efficacité des coups critiques infligés par la glace. On avait dit que ça, c'était pas mal. Augmente l'efficacité des coups critiques infligés par la cible. Réduit le nombre de coups au compteur requis pour effectuer un combo spécial. Pas fan. Résistance, ça c'est super important. Augmente la vitesse de récupération d'endurance. Je prends. Là je suis machine. On peut dire que je suis clairement une machine. Améliore la vitesse et la réactivité de l'esquive. C'est quoi? Je prends. Et là c'est quoi là? Permet de se relever plus rapidement après avoir amélioré. Oh ça c'est bien ça. Hop, voilà. Bon bah résistance, on est des putains de machines. On commence à avoir pas mal de petits trucs assez sympas. Donc sur tout ce qui est fusil d'assaut, on va s'équiper au calme. Yes, ok, c'est bon, on s'est mis tous nos points de compétence. On va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire, comme d'habitude. Vous connaissez la musique, vous connaissez le refrain. Et merci encore une fois à tous ceux qui le font, c'est vraiment cool. Je vous fais des bisous, et je vous dis, portez-vous bien. Ah, la vinerie, elle est pas loin, et vous savez quoi, on y va. En attendant, portez-vous bien, et comme disait Terminator, dans Terminator 1, puis dans Terminator 2 et dans le 3, hasta la vista, baby. Voilà, moi je passe par la fenêtre, je préfère les entrées intéressantes. Allez, à plus tout le monde.